Qu'est-ce que c'est ce tia alors qu'on avait pris un expert quand même? Ouais. Elle est loin là. Bon, Jean, il y a que des voitures, c'est étrange. Thérèse. Ouais, on va essayer de voir si ça va peut-être bouger pendant la qualif. Alors ça cause pas mal sur YouTube. F1 Alonso qui est jaloux de mon t-shirt. C'est normal, c'est le maillot officiel de Ferrari de l'année dernière. Fic fic, un smile kill. Bonsoir tout le monde, un live pour fêter la future victoire de McLaren Honda. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Hein. Part de loin quand même là. Hein. Ouais, ils partent de loin. Putain. Gagner 2 secondes au tour, ça va être compliqué en 3 mois. Hein. La magie en F1, ça n'existe pas. Allez, c'est parti, je vais me lancer pour mon tour qualif. Ah, Hamilton s'est réveillé, hein. A priori. Ouais. Il a mangé ses Frosties, ça va. Ça y est. J'aime un peu le fantôme, du coup je me plante un peu. Il était vraiment dans ses miches, là. Je suis un peu plus loin. Là. Ah oui, ça y est, en effet, ça y est. L'IA, elle s'est réveillée là. Ah ouais, là il est costaud. Hein. Comme il réaccélère, c'est hallucinant. Hein. Ouais, moi je suis parti en extérieur, j'ai un gros survirage, là, un dernier virage. Et je vais être 8ème si j'ai bien eu le temps d'apercevoir. Moi j'ai pas eu le temps de voir hein, combien je vais partir. Mais finalement ça va s'annoncer palpitant, 5ème. 5ème et 8ème, bah, c'est des qualifications plutôt pas mal parce que t'as vu les chronos qu'on a réalisés, c'est encore mieux que ce qu'on a fait pendant les essais libres. Ah oui carrément, et pourtant c'est loupé, hein. Moi aussi, toi aussi. Ouais. Notamment dans le premier secteur où j'avais le flouté du fantôme d'Hamilton qui m'a un peu gêné. Mais ça va être intéressant. Hein. Là c'est dans le dernier secteur que je me suis un peu foiré, j'ai un peu loupé les trajectoires. Et puis dans le dernier virage avant la ligne de départ arrivée, où je suis parti au large, j'ai failli aller taper le mur, mais bon, ça s'est bien passé. On met devant, hein, c'est statu quo en tête, hein, Hamilton, Rosberg, Vettel, Raikkonen, il n'y avait vraiment pas de surprise. Hein. Bon, et eh bien écoutez, on va passer à la course. Allez, c'est parti. Bon, mais finalement, réveil du guerrier, c'est vrai que c'est étrange, hein, les essais qui étaient en demi-teinte. Alors Mustapha, on est en manuel pour les vitesses. Alors... Donc la grille de départ, hein, vous la voyez défiler sous nos yeux, avec les 10 premières places, donc 10e Grosjean, Pérez, je suis 8e, Cédric est 5e, et devant nous on a, enfin devant lui il y a les deux Ferrari, les deux Mercedes. Tu ressembles à un pilote, c'est bizarre. Alors Smilekill qui dit sur YouTube, la magie existe, Hunt champion du monde, parce que Loda est allé dans un mur à pneus, un hors shift. Ouais, mais bon. La F1 des années 70 n'est plus celle, hélas, qu'on connaît aujourd'hui. C'est clair, hein. À notre grand désespoir. Non, c'est tellement aseptisé, c'est tellement. Il y a tellement de sécurité, il y a tellement de choses qui font que. Il n'y a plus vraiment de surprise. C'est exact. Bon alors on va voir le départ, comment ça va se passer, j'espère que ça va pas laguer. Allez, moi je suis prêt à partir. Ouais, super départ. Ça bug pas, hein, c'est pas mal. Non, moi par contre je me suis loupé parce que je regardais pas l'écran. Ça m'apprendra.
je suis au coude à coude avec Bottas. Et dans la speed de Raikkonen. Alors j'ai rien perdu, j'ai rien gagné. Moi j'ai perdu 2 places. Je suis un petit peu touché avec une monoplace, j'ai perdu qui c'était, qui essayait de forcer le passage dans les enchaînements de virages après la deuxième zone de DRS, enfin la première zone de DRS quand on reprend le départ. J'ai pas vu qui c'était qui est parti en glisse, mais qui est venu taper ma roue arrière. Ah, la première partie intéressante, hein. J'arrive clairement pas à suivre ce qui se passe devant, c'est énorme. Je suis en train de recoller sur Sainz qui est 10ème. Je vais peut-être pouvoir lui faire l'extérieur, mais il va me tasser. Je suis sur la bonne trajectoire, mais il reste à l'intérieur. On est au coude à coude là, dans les deux derniers, deux droites avant l'épingle. Et finalement, ah, ça touche un petit peu ma roue arrière. Et Sainz qui part en tête à queue. Ça, c'est la grande spécialité de l'IA dans F1 2015. Hein. Pourtant, j'ai quand même laissé de la marge. Il me semblait qu'il était passé derrière. Elle a du mal cette Red Bull à suivre le rythme des pilotes de devant, quand même. C'est assez incroyable. Et là, je suis sous la menace de Grosjean. Est-ce que c'est des bons réglages de course, Cyril, que tu nous as passés? Ça, c'est une bonne question, quand même. Est-ce que ça va compenser, peut-être, la perte de puissance du moteur Renault? Ouais, je sais pas. C'est ce qu'il avait l'air de dire, hein, du fait qu'il y avait un manque de puissance sur le moteur. Ouais, ouais, exactement. L'aéro était très faible. Pour l'instant, moi, ce qui est en train de se faire derrière moi, surtout, c'est que j'ai un petit train qui me suit. Ouais, l'IA, elle a un rythme quand même assez incroyable. Hein. Je suis désolé, hein, j'arrive pas à lire les commentaires en même temps. Qui enchaîne les meilleurs tours. Ouais, c'est un gros tour hein, qui vient d'enchaîner Hamilton. Hein. J'ai un souci de train avant qui a tendance à virer au large dans les virages rapides. Ouais, c'est vrai, dans le dernier notamment. Hein. Ouais. Ah ouais, le dernier t'emmène vers le mur, c'est terrible. Et c'est juste avant qu'il reste pas en place. C'est vrai. Les réglages à Cyril. Il nous a délesté l'avant. Ouais. On a tout enlevé pour tout mettre derrière. En fait, c'est ce qui s'appelle l'avant dans le cul. Aïe. Oh, c'est pas gentil ça. Tu t'es fait taper? Non. Pourtant, j'ai pas l'impression d'avoir mis les 4 roues dans l'herbe, mais j'ai mis les 4 roues a priori, puisque j'ai une pénalité de 3 secondes au stand. Ah merde! Par contre, derrière, on a creusé le trou avec Valtteri Bottas. Et j'ai du mal à tenir le rythme du groupe de tête quand même. À mener sur un train d'enfer par Lewis Hamilton. Alors,
ça arrive pas à recoller avec les Force India devant. En même temps, j'ai perdu un peu de temps. On s'est un peu déconcentré. Parce que c'est vrai qu'on nous envoie plein de messages sur le chat et que ouais, je peux pas les lire. Bah ouais, c'est dur parce que. Que l'IA est quand même assez solide, hein. Elle nous a fait croire l'inverse en essai. Et là, je peux même plus suivre le rythme à Kimi Raikkonen, hein. C'est. Oh, il roule très très fort, hein. Il roule même dans le même rythme que les qualifs presque. Et devant moi, c'est les deux Ferrari qui se mènent coup pour coup. Et Raikkonen a repris le meilleur sur Vettel. Ah, c'est la petite guéguerre entre ferraristes. Par contre, devant Mercedes, adios Speedos. Hein. Bah, ils enchaînent les meilleurs tours, donc forcément. Vous avez une reproduction de la course de dans 3 semaines. Voilà. C'est pour vous spoiler ce qui va se passer dans 3 semaines. Punaise. Moi, je vais essayer de pas me percuter un mec de chez Ferrari parce que ils sont tellement au coude à coude que je suis remonté sur eux comme une fusée. Galérer de plus en plus. J'ai la pression avec le gros Jean derrière, qui est d'ailleurs en train de me passer, qui me passe d'ailleurs un peu de façon virile, parce qu'il est carrément venu taper avec sa roue avant dans mon proton. J'ai pris le meilleur sur Sébastien Vettel. Mais ce dernier virage, on perd un temps phénoménal, parce qu'on est obligé de ralentir. Et j'ai l'impression qu'eux ils passent à fond. Ouais, c'est assez fou. Donc là je suis à la poursuite du Grosjean avec le DRS. Et la Lotus qui part plus fort avec le moteur Mercedes. Oh non, Sébastien Vettel aurait accroché mon aileron à l'avant. Ouais, et oui, c'est le cas. Là ça va être très très compliqué pour moi. Je vais être obligé de laisser passer les Williams. Voilà. Et avec sa roue arrière, il m'a touché légèrement et ça a cassé mon aileron avant. Oh merde. Donc je vais en faire une entrée au stand prématurée finalement. 3 secondes de pénalité, ça va être très préjudiciable pour la suite des événements. Et je me suis accroché avec Grosjean qui a voulu un peu trop insister. Et je me retrouve 18ème. Oh bah là ça sent la soupe à la grimace, hein, chez Red Bull. J'étais au coude à coude avec Grosjean et c'est vrai que cette IA ne lâche rien. Elle est très bien l'IA. Hein. Ouais, elle est très très bien. Sébastien Vettel s'est vraiment bien battu avec moi et en me reprenant de devant, il m'a juste accroché ce qu'il fallait. Et l'aileron a sauté et du coup. Je vais pas être le seul à rentrer dans les stands, ça c'est intéressant. Que les Force India sont rentrés avec moi. Et je suis 9ème, hein. Ça y est, hein, je commence à être loin. J'ai perdu beaucoup de temps, je vais perdre 3 secondes avec la pénalité. Change mon aileron avant en plus. Ouais, là les places qui dégringolent clairement. Bon, alors quelle stratégie adopter, Cyril, là, dans ce genre de configuration? La stratégie c'est de mettre des durs pour repartir et faire durer. Alors je suis reparti en soft, hein. Je mettrai les durs en milieu finalement de relais.
Ah, la course est encore longue, hein. Ouais, il peut y avoir un renversement et puis arriver à faire durer les pneus un peu plus longtemps pour pouvoir remonter. Ouais. Ce qui n'est pas chose aisée non plus. Alors, il y a du monde dans les stands. On perd beaucoup de temps dans ce dernier virage, le fait de décélérer, c'est terrible. Ah oui, c'est clair. Il y a Cyril qui passe plein de consignes sur le chat et je peux pas le lire, c'est la merde. C'est dommage que, une fois de plus, le TeamSpeak ne fonctionne pas pour Cyril. Si on avait un interprète sous la main, ça aurait été cool. Alors que j'ai gros gens derrière moi. Ouais, il a dû s'arrêter. Ah, c'est vraiment dommage. C'est dans le rythme de course des deux Ferrari. Et je le sentais, ils se bastonnaient les deux là. Donc Cyril, on jette une box à la fin du 8ème tour ou au 9ème suivant le jour des pneus. Ouais. Cédric passe en prime, c'est trop tard. Cédric, pourquoi... je le ferai. Pourquoi pas, vu que tu as dû changer ton aileron, Angel va te faire passer en prime. Ouais. Je me retrouve de nouveau 18ème derrière un petit wagon. Enfin, un peu plus loin le wagon devant. Je pense le rattraper assez aisément. Le rythme de course n'est clairement pas celui des pilotes de tête. C'est ouais, évident c'est quand même. Sûr. On n'a pas la voiture top team. Hein, donc, Ouais. Un manque de puissance. Donc Cyril nous encourage en nous disant qu'on a pris deux stratégies différentes et c'est très bien parce que comme ça on n'est pas tous ouais. Les deux dans le même panier. Exactement. On verra qui aura la plus payante. Alors Cyril, si tu peux juste me dire ce que tu suggères au niveau du tour pour les arrêts de chacun d'entre nous.
You have a 4-second gap to the car behind. 4 seconds. Hamilton qui frappe fort, hein. C'est dur de rester dans... Ah, il survole. Il survole la course depuis la Mercedes. Okay, quick fuel update. There's 2 secondes d'écart entre Grosjean et moi. Allez, on relâche rien. Je suis en train de revenir sur les deux sauveurs, moi. Pauvre moteur Renault. Là, il reçoit. Pour les tours d'arrêt, j'attendais dans la ligne droite de départ à 8 pour arriver à dire quelque chose. D'accord, ça va être chaud parce que je suis revenu sur le groupe de, qui était devant moi. J'ai 4 places à portée de main. Hein. Donc, moi j'ai décidé de passer les primes hein, au prochain arrêt. Alors, moi je m'arrête au 21ème et toi 17 ou 18. Waouh, ça fait long. Hein. Et c'est vrai, hein, c'est jouable. Hein. Il a besoin que tu lui dises où tu en es avec tes pneus. Ah, je vais lui dire. Ah, je prends d'énormes risques en lisant le chat en même temps que je pilote parce que demain ça s'agite. Il y a moyen de gagner des places. Parce que ma Donado a l'air d'être en difficulté. Et je suis dans le jaune. Sur les 4. Ouh, Sainz à l'arrêt au milieu de la piste. Et du coup, ça a surpris tout le monde et j'ai touché Nasser, mais sans gravité. Ça aurait pu être beaucoup plus grave. Je reviens sur les deux Force India. J'espère que les pneus vont durer le plus longtemps possible. On va essayer, hein. Devant Nasser Maldonado, ça rend. Je vais essayer de doubler ces pilotes dans la ligne droite avec le DRS, mais c'est pas gagné. Toujours accélère moins bien qu'eux. Nasser qui me dit d'être prudent. Ok. J'essaye. Le seul problème, c'est que quand il faut lire les consignes et en même temps piloter, ça relève de l'acrobatie. Ouais, moi j'ai plus de gomme, hein, Cyril. Hein. Ils se sont effondrés d'un coup là. On va essayer de les faire perdurer, mais il y a Grosjean qui revient derrière. C'est dur. Hein. Ok Cédric, essaye de ménager tes gommes le plus longtemps possible et préviens-moi quand ça passe à l'orange. Ok. Du coup j'étais au contact avec Nasser et j'ai perdu le contact.
Oui, logiquement, Grosjean a les gommes de 2 tours plus fraîches. Ça permet de revenir mieux sur moi. Ça commence à jaune, virer jaune-orange hein, quand même. Allez, concentration. Faire durer le plaisir le plus longtemps possible. Plaisir ou le calvaire? Ouais, ça dépend. Ouais. Un gros Jean qui s'arrête. C'est bien ça. Ouais, ça c'est bien. Ça va me laisser un peu de champ libre. Ok, c'est vrai qu'on va anticiper ton passage au box. Tu rentres à la fin du 15e et on passe en prime. Ok. Là, c'est le mot, c'est souffrance. Je suis désolé hein, pour ceux qui sont sur YouTube ou les autres personnes qui mettent des commentaires sur Twitch. Je vous promets que je dirai tout une fois cette course sera terminée. Ouais, parce que là, c'est intense, hein. Il y a un poteau, j'ai l'impression, un poteau des 100 mètres qui est parti, non? Où ça? Un panneau des 100 mètres qui n'y est plus. Dans la fin du premier, de la seconde zone de DRS. Ah, possible. Bon, j'entre dans les stands, hein. Fin du tour 15. Ça roule, attention, il y a du monde qui arrive. Moi, je trouve c'est les prime time. Et on finira avec les softs. Là, c'est vraiment là que ça se joue, parce qu'il va falloir les faire durer le plus longtemps possible. En les préservant et vraiment chausser les gommes les plus rapides pour les derniers tours, ça va être intéressant. Paddock, la difficulté est un expert. Paddock, tu voudrais pas venir sur TS pour lire les commentaires, s'il te plaît? Comme tu as admis, tu pourras rentrer dans la chaîne F1 2015. Ouais, je suis ressorti pile devant Grosjean, quoi. C'est bien joué, ça. Il est en soft. Alors, je suis juste derrière toi. Sinon t'as plus rien dans le moteur, non? Ah ouais, ouais, j'appuie. C'est le moment.
Ah, tu rentres pas maintenant? Non. Attention, hop. J'ai élargi exprès. Parfait, c'était magnifique. Aucune perte de temps. Bon, Grosjean en a profité, mais... Je vais essayer de lui mettre la pression. Ah, elle a vraiment pas le même niveau de performance avec les médiums. C'est assez incroyable. On a gagné pour l'instant. Il est juste à la pointe des points. J'ai repris un peu de distance sur Grosjean. Ouais, ouais, tu la semé. Lui, ouais. Semé aussi d'ailleurs. Toi, tu rentres quand là? Maintenant? Je vais essayer de tenir encore deux tours. Waouh! C'est impressionnant. Là, je suis Tiandello là sur la piste, hein. Ça glisse de partout. Alonso qui s'était pas arrêté face au stand. Garde vraiment de l'essence pour vraiment la fin. T'es revenu sur un groupe devant toi, hein. Ouais. Alors on boxe pas dans la même catégorie parce que j'ai tout simplement pas les mêmes pneus. Ça se ressent. Je reviens sur Hülkenberg. Ce dernier virage qui me pose un problème phénoménal. Ouais, on tient pas dans ce virage. Ah non. Ça sent le mur à chaque fois. Hein. Je suis vraiment obligé de lever le pied et de pas être trop près du mur parce que je sens que sinon ça va faire un bug. Ouais, surtout avec le G27. Je te refile mon setup et du volant d'ailleurs, tu puisses les mettre sur le tien. Ouais.
Ça va pas mal. Hein. T'as pu tester ce week-end. Ouais. Allez, je reviens, je suis vraiment à l'aspiration sur Hülkenberg. Je vais attendre la zone de DRS pour pas prendre de risques. Comme tous les bons pilotes modernes. Je vais arriver à finir mon tour et je vais rentrer au stand au 20e tour. C'est beau. Ce phénomène, on verra là, s'il y a la hype ce soir, hein, fin de saison co-op. Ce phénomène, il est vraiment à fond pour qu'on fasse une co-op. Et j'arrive à me défaire du Kenberg. Cédric, tes médiums n'iront pas au bout de la course, il faudra passer en option. Ouais, oui, je pense. Hein. Je perds trop de temps et ça sert à rien. Hein. De toute façon, commence à mûrir. Commence à mûrir gentiment. Venir à l'arrière. Et je pense que Cyril, 7 tours avec, ça va le faire. Hein. 7 tours avec les softs. Ça commence à jaunir, je vais attendre la fin du 23e tour. Hein. Pour essayer d'aller chausser les softs et vraiment finir en beauté. J'ai assez de mélange d'essence pour aller au bout. Option. Je vais m'arrêter à la fin de ce 23e tour. Donc pour aller chercher vraiment des secondes. C'est vraiment dommage que tu dois t'arrêter. Ouais. Mais là, il n'y a pas le choix, je suis à l'agonie, j'irai pas au bout. Là, je reviens très fort sur Massa, même en gomme usée, mais ça peut pas tenir encore 6 tours.
Ça va le faire, ça va le faire. De toute façon, je pense qu'on n'aurait pas réellement eu le rythme des Williams non plus. Ah, finalement, on a heureusement qu'on n'a pas pris les Toro Rosso quand même. Hein. On aurait été mal là. Ouais. Allez, c'est parti, je vais m'engouffrer dans la voie des stands. Pour aller marquer le dernier arrêt de cette course. Et on va voir où c'est que je vais ressortir par rapport à Sergio Perez. Hein. C'est lui mon principal adversaire. Ah, ça a l'air pas mal. Il ressort dans le dernier virage. Et je pense que ça va me passer devant, mais je vais rester au contact. Hein. Ouais, il me passe devant, mais ça va être intéressant à voir. Ah non, je suis ressorti devant lui, c'est une très bonne opération finalement. Allez, c'est parti. Bon ben moi je vise plus grand chose, hein. 7ème. Bah ça allait très loin devant. Ça sera, je pense, ma place à l'arrivée. Ah bon ? Ouais. Okay, there's 10 kilos of fuel left. 10 kilos of fuel. Je pense que ouais. On aura limité la casse. Et finalement, je vais finir avec une voiture performante, mais ça sert à rien. Cherche depuis tout à l'heure. Hein. Perez derrière moi qui recule à vue d'œil. Apparemment les Toro Rosso sur les Force India sont en mode économie d'essence. Ouais, a priori hein. Donc j'ai un peu trop tiré. Il va manquer quelques tours, mais je revenais sévèrement sur Massa aussi. Trois tours de l'arrivée.
Ouah, Hamilton. Juste pour dire qu'il est encore en course. Ouais. Oh, une seconde de mieux autour que moi. Incroyable. Ah, elle tourne extrêmement fort, c'est la séance. Mais ça reflète la réalité, malheureusement. Ouais. Impuissant. You're lapping around a second faster than the car ahead. Keep this up. Ah, je viens d'empocher le meilleur secteur. 1. Ah. On va lui faire fermer sa boîte. On va essayer. On va lui montrer qui c'est Raoul. Spécial dédicace. Jean-Louis, si tu nous écoutes. Ouais, si des fois par hasard tu tombes sur une de nos vidéos. Tu le crois que l'essence elle clignote ou quoi? Ah, c'est ennuyeux ça. Ouais. Tu attaques trop. Alors que j'ai même pas mis le riche à aucun moment quoi. T'as pourtant moi j'ai tartiné en riche, j'en ai fait des tours. J'espère que ça va tenir sinon c'est pas drôle. Pitié, pitié, ayez pitié de moi, seigneur de la gasoline. Voilà, ça va être chaud là. On peut faire un ravitaillement express. Et dernier tour, hein. Et là on prie. Ouais, faut serrer les miches. Cyril qui crie corps et âme de passer en mix 1. Ouais, j'y suis déjà, ouais, depuis deux tours déjà. Parce qu'au ralenti, j'ai beaucoup de marge avec Perez, j'accélère même plus. Ouah, trop abusé. Ouah, l'avance qu'il avait, le mec. Oh, presque, il a failli nous prendre un tour, tu sais. Bah ouais. Qu'ils ont imposé. Ouais, parce que c'était à chaque tour, hein, franchement. Il y en a un autre qui a l'agonie, hein, c'est Perez. Ouais, Perez, il est mal. Hein. Allez, moins d'un kilomètre. Ça clignote. Ouais, ça y est, champagne. Champagne dans les deux derniers virages. Oh putain. Là, ça y est, ça avance plus. Je vais finir la roue en... La... Ouais, je vais finir en roue libre.
putain. Oh, c'était chaud. On est très très loin des Mercedes, c'est hallucinant. Hallucinant, hallucinant. Qu'est-ce que je leur ai mis dans la gueule au pneu? Mais belle remontée, belle stratégie, merci Cyril une fois de plus. Ouais, c'était vraiment nickel. Alors que c'est Hamilton qui a dû abandonner encore. Il y avait deux Ferrari sur le podium. Et j'ai hâte de voir le classement un peu. Ah, c'était tendu quand même. Hein. Ah ouais, c'était super tendax. Hein. On n'aurait pas eu nos pénalités, on aurait pu finir un peu plus haut. C'est clair. Parce que avec la stratégie qu'on avait, et encore une fois merci Cyril, il y avait moyen de faire beaucoup mieux. What a win for Nico Rosberg today. Ouais, parce qu'on a fait quelques petites erreurs. And he's brought his Mercedes home in first place. He looked very happy. J'ai eu la pénalité 3 secondes, mais elle m'a pas été. Ouais, bon, je suis content, je suis bien remonté parce qu'à un moment c'est quand même bien mal barré. Ouais, t'es pas mal du tout, 9ème. Hein. La stratégie a vraiment été bonne. Hein. Ouais, ouais. Et au niveau des chronos, t'as vu que tu es aussi vite que les 4 premiers, moins vite que Lewis Hamilton. Ouais, mais Lewis Hamilton là, c'est abusé le chrono qu'il a fait. Ouais, mais il a dû cartonner à un moment et puis il a dû faire une remontée d'anthologie, quoi. Ouais, c'est possible parce que ouais, je suis dans les temps à Rosberg et Vettel et Raikkonen. On aurait Raikko, hein. Aura pu faire 4 et 5 sans compter Hamilton. C'est clair, on a vraiment roulé très fort, même toi en 1.29.195, c'est pas mal du tout. Hein. On est bien mieux que les Williams. Ouais, c'est clair. Alors désolé hein, pour ceux qui étaient sur YouTube et que j'ai un peu zappé, que je pouvais pas lire. Hein, donc. Ouais, NetNTechHD qui est surpris de voir sur Instant Gaming que le jeu n'est qu'à 8€ et fin 2015. Et c'est ce ouais. Que je disais dans ma vidéo, dans le la vidéo dont je parlais en début de live. Et fin 2015 n'aurait jamais dû être à ce prix-là, en même pas un an d'existence, s'il était aussi bon qu'il le prétend. Exactement. Alors, belle course et belle stratégie de la part de Racing News. C'est vrai qu'on a vraiment une belle stratégie. Ça, ouais, ça a été c'était, vraiment, c'était vraiment parfait parce que ouais, il y a eu des petites erreurs de commise de toi et puis ensuite de moi avec ces petits accrochages et ces petites sorties. Et finalement, ben, on s'en est vraiment bien sorti. Il y a Tom Music qui met que c'était une bonne stratégie et en plus on avait un bon rythme. Donc c'est vrai que ça aide. Hein. C'est clair, c'est clair. Non, c'était pas mal du tout, puis je m'attendais pas à finir 7ème. Enfin, je ne voyais pas là avec les déboires du début de course. Et écoute, c'est pas mal, hein. Alors, Cyril qui demande, dites-moi, Angel et Cédric, elles mangent beaucoup de pneus, la Red Bull, par rapport à la Lotus. Bah, moi qui pilote la Lotus, du coup, je sais, mais je peux te dire que non. Par rapport à la Ferrari, oui. Elle mange beaucoup de pneus. Après, la Ferrari est créée par un ingénieur qui fait des voitures qui consomment très peu de gomme. Alors c'est vrai que quand on revient à la Red Bull, bah oui, j'ai tendance à dire qu'elle consomme beaucoup de pneus. En dégradation, c'est aller très très vite. Ouais, en tout cas, moi c'est sûr que ça m'a fait une différence dans la mesure où la Lotus mange vraiment de la gomme, alors que là, pour le coup, j'arrivais à pousser vraiment la voiture dans ses derniers retranchements sans être vraiment inquiété, quoi. Ouais, en tout cas, c'était très intéressant. C'était petit pilule ouais. Qui me dit que j'aurais pu aller chercher Perez avec un tour de plus en mix 3. Mais c'est pas sûr. Ouais, non, par contre, c'est sûr que j'aurais peut-être pas eu assez de carburant pour aller jusqu'au bout. Ouais. Moi, ça s'est vu avec moi, ouais, il y avait des chances. C'était assez compliqué de finir là. Hein. Franchement, ça a été chaud, chaud. Alors, le baroudeur qui met j'aime la F1, mais je pense que ça devient n'importe quoi. C'est pas faux. Hein. C'est vrai que c'est ce qu'on regrette depuis quelques temps. C'est le ressenti. Donc, on a eu pas mal de monde hein, quand même encore ce soir sur ce live. C'était plutôt sympa. On a 13 viewers actuellement sur YouTube. Et on en a une petite dizaine sur Twitch. Donc, c'est encore ouais. Un très bon score pour cette soirée. Ça fait deux soirées qu'on fait en peu de temps où on a quand même un public qui est bien présent.
C'est vrai que d'un seul coup, c'est rassurant, ça veut dire que ce qu'on fait, ça vous plaît. Et même si c'est plus aussi efficace sur les vidéos qu'on poste régulièrement sur YouTube, la tendance est claire qu'actuellement, ce qui marche bien, c'est de faire des lives. Donc Ouais. moi, pour ma part, c'est vrai que ça ne me pose pas tellement de problème de faire des lives. Mais après, avec Cédric, il faudrait qu'on voit ce qu'on peut faire par la C'est clair. suite. Alors que j'ai eu un nouveau follow sur la chaîne Twitch. Alors, je vois pas son pseudo. J'ai pas vu qui c'était, mais Louisbot va nous le dire. Alors c'est Germain62. Merci pour le follow. Et ça nous fait 151 followers sur Twitch. C'est très bien, hein. Alors Cyril qui met et les mecs remercient le professeur Tournesol. Écoute, ça va, on t'a quand même remercié plusieurs fois. Par contre, Cédric, si la Ferrari use moins les gommes que les autres, c'est parce qu'elle emporte moins de charges aéro que la Mercedes pour compenser son manque de puissance. Sinon, Exactement. est-ce que Cédric a reçu le setup de la Ferrari pour Monza? Ah non, pas du tout. Alors, tu l'as posté où, Cyril? Parce que si ça se trouve, c'est juste que Cédric n'a pas eu le temps de regarder sur la page Facebook dans les messages privés. Si c'est dans les messages privés que je regarde, ouais, pour savoir pour Monza que je vais courir incessamment sous peu cette semaine. Parce qu'à Monza, c'est assez compliqué hein, avec la Ferrari par rapport au Mercedes pour rivaliser. Petit pilule, on était parti 5e et 7e sur la grille. Et Cédric a eu un accrochage avec Vettel qui l'a fait prendre une pénalité et devoir changer son aileron. Exactement. Et moi, j'ai eu un accrochage avec Grosjean qui m'a fait faire un tête à queue et qui m'a fait perdre énormément de temps et repartir en queue de peloton. En tout cas, la rediffusion de ce live sera sur YouTube dans la semaine ou en début de semaine prochaine, je ne sais pas encore, on verra, parce que j'ai encore la course d'Espagne à mettre d'ici la fin de la semaine. Donc on ne va pas non plus vous mettre une tartine de Formule 1 tous les Ouais, jours de c'est la clair. semaine. Donc c'est sur la page Facebook, mais a priori ça doit être un message privé, il faudra que tu regardes. Okay. Alors sinon, que pensez-vous? Pensez-vous que Ferrari peut aller chercher les Mercedes? Ce qu'on a comme idée avec Cédric, c'est que les Ferrari pourront probablement revenir dans le sillage des Mercedes, de là à les battre. Ouais, Je reste encore sceptique. c'est clair. Pour la Mercedes, avoir encore trouvé des petites solutions pour aller plus vite. Et Ouais, donc, c'est sûr que là, je pense qu'ils ont certainement encore bossé pour pas rester sur des acquis et pour continuer à être performants, parce que on sait qu'ils ont quand même pas des chèvres au niveau de l'ingénierie chez Mercedes. ouais, ça et après Ferrari améliorée, oui, je n'en doute pas. Je pense que Ferrari a dû améliorer la voiture dans le bon sens avec James Allison, mais de là à être au niveau de Mercedes, la grande énigme. Hâte d'être fin mars à Melbourne pour voir un peu ce qui va se passer, voir où McLaren va se situer aussi, parce que c'est la grande question. J'ai l'impression qu'elle est assez performante cette voiture. Enfin, du moins, au moins essayer d'avoir vraiment un plateau qui est un peu plus regroupé que l'an dernier où on a eu des écarts phénoménaux entre chaque écurie. Au moins essayer d'avoir, même si les deux premiers sont tout le temps loin devant, au moins avoir un paquet derrière qui se fait un peu la guerre et ça serait pas plus mal pour le spectacle. C'est clair. Hein. Mustapha, t'as posé une question par rapport à Kimi Räikkönen. J'ai pas compris ta question. Alors, selon toi. Ah ouais, d'accord, t'avais eu un petit problème de clavier. Selon toi, pourquoi Kimi Räikkönen est aussi froid? Je pense que c'est le tempérament finlandais qui parle. Ouais, quand on connaît les Finlandais, ils sont un peu tous comme ça. Que ça soit même les pays nordiques, hein, et les pilotes de rallye. Bottas, qui quand même rigole un peu plus, hein, quand même, hein, Ouais, et ouais. reste quand même assez frais. Mais
Il y a vraiment le tempérament finlandais qu'avait par exemple Marcus Grönholm en WRC, et un mec assez glacial. C'est clair. Bah écoutez, on va mettre un terme à ce Ouais. live, hein, parce qu'il y en a qui bossent demain, donc on va pas se coucher très tard. Et bah merci en tout cas à tous ceux qui sont Ouais, merci venus. à vous. Regardez le live ce soir. On vous donnera des nouvelles quid d'une saison en coop sur F1 Ouais. 2015 en live. Donc on verra. On n'a pas encore décidé tout ça. Ouais. Mais visiblement, il y a de la demande. Donc on va y réfléchir. Et bah moi, je vous dis à dimanche pour un autre live. Je n'ai pas encore défini sur quoi ça sera, puisque vous aurez eu de la Formule 1 normalement avec Cédric dimanche dans la Exactement à journée Monza. à Monza. Donc, on se retrouve dimanche soir pour un live. On verra sur quoi. On y réfléchira. Et puis en attendant, bah, sur la chaîne YouTube, vous avez la rediff des qualifs qui viennent d'être postée, du DTM aujourd'hui. Et il y aura la rediff de la course et donc de la F1, la saison de Cédric sur la Ferrari de Vettel, qui sera dimanche. Voilà. Allez, bonne fin de semaine à tous, bonne fin de soirée et à dimanche. Salut à tous! Allez, salut à tous.